Et mon down, alors je sais pas si tu le connais, et bah tiens, tu regardes la vidéo, il est pour Dylan. Bon les amis, juste pour que ça soit clair, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer là, par milliers de messages. Ouais, t'as vu, Anas, il a trompé Fidji, machin, t'avais raison, machin. Non, non, j'avais pas raison, déjà, j'ai jamais dit que Anas, il allait tromper Fidji. Seule chose que je peux vous dire, que si c'est le cas, c'est triste, c'est dommage, c'était un très beau couple. Et l'autre chose que je peux vous dire aussi, faites attention à tous ceux qui parlent sur le net. Voilà, ils sont prêts à tout pour des vues. Ils sont prêts à briser des couples, des familles et ainsi de suite. Hein, ils vendraient leur mère pour avoir quelques vues en plus. Du coup, les Aquababe, les Samzira et tous ces mecs-là. Alors toi qui as parlé avec ma mère, tu te souviens? Je pense que tu sais, Adé, que je vendrais pas ma mère pour des vues. Non, justement, bah moi, t'es toujours bienveillant dans tes... Ce qui m'a étonné, moi, dans ses propos, c'est qu'on n'a même pas parlé de l'histoire d'Anas et Fidji. Donc, Fidji, Anas, vous pouvez remercier Dylan qui nous fait parler aujourd'hui de cette rumeur de tromperie avec une jeune femme d'origine transgenre, parce qu'on n'en a même pas parlé. On n'en a même pas parlé sur le plateau. C'est ça qui est étonnant. T'as pris une balle perdue. J'ai pris une balle perdue. Mais ce que j'aimerais dire à Monsieur Thierry, tout simplement, c'est que, comment vous expliquer? On va quand même faire un petit retour dans le passé. Venant d'un mec qui a vendu des faux AirPods sans que les gens ne les reçoivent. Venant d'un mec, on n'oublie pas, qui s'est fait passer pour Mister Luxembourg alors qu'il ne l'était pas. Mmh. Venant d'un mec qui disait qu'il avait un partenariat Gucci sur Koh-Lanta alors que la marque de luxe a tout de suite dit que c'était totalement faux. Mmh. Venant d'un mec qui propose un octogone à Booba juste pour faire le buzz. Venant d'un mec qui a des comportements et des paroles très tendancieuses envers les femmes. Bah, je suis désolé Dylan, mais venant toi, je n'ai strictement aucune leçon à recevoir.